Welcome to the Kenny Festival. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, les galets, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Donne-leur la main pour les mener. Un des plus puissants trafiquants de drogue de la cité phocéenne. Reprenons depuis le début. Yo les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe laquelle, on est directement au Kenny Festival. C'est une première pour moi. Et pour une première, et bah, j'ai le numéro 1. Franchement, ça déchire. Désolé pour le son là derrière, les gars. C'est DJ là, il m'a claqué le son. Il n'y avait pas de son tout à l'heure. Là, je cale la caméra, je cale la moto. Je fais 2-3 plans et là, il me met la musique. On va essayer du coup de prendre un maximum de vidéos pour vous faire partager toute cette première aventure pour moi du Kenny Festival. Donc moi je suis arrivé ce matin, on est vendredi, je suis arrivé à 9h pour prendre tout ce qui est emplacement. C'est pas forcément évident, mais là du coup on s'est bien implanté et tout ce week-end va se passer avec la Tony Z Factory. Si vous connaissez pas, je me mets le lien Instagram là qui est juste là et il y aura tout le crew, toute l'équipe. Donc franchement ça s'annonce très très bien. La piste, je ne l'ai pas encore découverte, on va la découvrir ensemble, on va faire un petit tour de terrain ensemble, on va faire un petit track walk. Mais déjà là, de ce que je vois là, la piste, elle est préparée aux petits oignons. C'est le préparateur qu'on connaît tous, c'est JLFO. JLFO à chaque fois, il ne nous déçoit pas. Donc voilà, je suis en présence de ma 450 KXF que vous connaissez tous à travers mes réseaux sociaux, surtout Instagram. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais vous partager un maximum d'images. Ça va être de l'inside, ça va être de la caméra embarquée, ça va être du délire. Et je vais vous filmer aussi forcément la soirée. Tout le monde m'en parle, donc j'attends de voir ça. J'attends de voir ça. En tout cas, je tiens à remercier UpDesign Morocco qui m'a invité à cet événement. Si jamais le son il vous dérange, abonnez-vous, ça va me donner, tu vois, de l'engouement et de la force pour m'acheter un petit micro. Déjà, vous voyez, la caméra, c'est pas la même. Là, on est passé sur un petit step, sur une petite caméra Sony, histoire de vous rendre tout qualitatif. Donc voilà, je vous embête pas plus avec du blabla, place à la vidéo. Et là, on va passer au track walk, les gars. Bon, ça y est, le campement, il est prêt. Là, la moto, elle est chargée parce que je vais dormir dans le camion. Du coup, je vais pas la laisser dehors. On a fait les petits numéros. Là, j'ai juste mis un fond blanc parce qu'à l'arrière, vu que j'ai le 192, ça suffit. Et là, on a un campement de l'enfer. Est-ce que vous voulez voir? Allez, je vous emmène. Du coup, petite pompe à bière. Là, ils sont chauds, là. Ah, il y a un Américain, là. Chaud, là. Comment allez-vous? Allez, il est un peu plus au bout de sa vie, il vient de changer. Route, on a changé. Il vient de démonter la roue avant. On a changé la fourche là, les réglages devraient être top pour demain là. Demain. T'as changé le sitting là, vite fait là. Voilà, sur la table là. Avec le gars qui tient la caméra. Elle est toute propre la table là. Voilà. Sitting complet, voilà, pour une. Bah, c'est une Kawa, donc la folie. Regardez, c'est du travail de professionnel. On peut voir la finition. Ah, ça fallait pas le montrer. La finition, ouais, la finition. Et même lui, là, pour une fois, il a fait quelque chose, il a changé son pneu là. Pneu neuf. Balle neuve. Et il en peut plus, au bout de sa vie. Je croyais qu'il allait craquer, le pauvre. Oh, numéro 2. Oh. Oh, c'est beau ça. Vilo. C'est beau, hein. Non. Ouais. Workshop, les gars. Workshop, franchement, pas dégueulasse, hein. Regardez comment il est heureux. Non, tu sais, y'a rien à dire, y'a juste à regarder. Hein. Ils font même en gros, donc, tu vois, t'as échappement, côté échappement. Ah oui, plaque avant. Ah, mais ça, c'est parce que c'est toi. Ah non, tous. Parce qu'ils savent que t'es un autiste et que du coup, tu vois, il dit, je vais quand même lui mettre un petit mot parce qu'il va jamais y arriver, le pauvre. Ah bah alors là, oh putain, y'a le patron. Y'a le patron qui arrive au même moment. Là. Bonjour. Bonjour. Ah, bien, ils sont bien mis, hein. T'as vu, on est pas mal, hein. C'est pas dégueulasse. Moi, je suis là-bas, là. Je me suis mis là-bas, là, tu vois. Il y avait des mecs qui avaient la chicha là-bas, on a cru que c'était vous. Et vous avez pas vu la pompe à bière? Il y a la pompe à bière aussi. Elle est pas mal, hein. C'est pas eux. Là, elle est en train de refroidir, tu vois, elle est en train de refroidir. Non, bon, voilà, bah, on est pas mal, hein. On est mieux là qu'en prison, j'ai envie de te dire. Ah, départ là. Ouac. Sont les premiers. PH90. Il fait chaud à mort. Là, la préparation de la piste, elle est folle. C'est un peu sable. Sable mélangé avec craie bizarre. Saut, double récep, un peu à la Chartainvilliers d'ailleurs. Et là, nous avons la réception qui est juste là-bas.
pour intérieur. Ah, et après, il y a des contre-appels tout le long, tu vois. Ah, on va bien te mettre une boîte ici. On va te faire enculer. On va te faire enculer. De toute façon, vous allez voir la GoPro. Il va sûrement se passer quelque chose. Ah, la folie, le hold shot. Si c'est, si c'est pas la tienne, ce sera la mienne, je vais la mettre quand même. Hold shot. Tu mets la GoPro ? Ah, mais toi, t'as la GoPro 360 ? Bah oui, j'ai les moyens. Bah arrête, ça passe. Insupportable ce gosse. Assez stylé ce terrain. Franchement, j'aime beaucoup. Toi qui as un regard qui vient des États-Unis. It looks like Washuga and things like that. Yeah, pretty cool. Voilà, donc super pour l'interview, merci beaucoup. Bon là, ça ne paraît pas. Mais ça a des sens secs. Ça fait un saut en descente de folie. De folie. J'ai envie de boire des bières. Là, je sais même pas ce qu'on branle ici. C'est lourd hein. Ici je peux vous dire je me suis mis des cours. Ah ouais, tu t'es mis des cours là. Je le sois à la légère hein. Ouais, ouais. Faut pas le sois à la légère. Ah non mais moi c'est sûr que je le prends pas à la légère. Je le prends pas, c'est tout. Oh et après putain. Wow, c'est magnifique, là ça s'appelle l'escargot aussi. Oh la parabolique elle est folle. Ah là c'est costaud. La parabolique, on dit ça dans le nord à Paris. Ouais. Nous on appelle ça l'escargot. L'escargot après on le mange nous. Ouais. C'est un escargot. Ouais. Ouais comment c'est bon les escargots à la persillade. Oh mais ta gueule. Oh putain. Et t'as toujours des commentaires de merde comme ça. Ouais j'ai vu. Ouais choquant. Salaud. Ouais. Mais là-haut, et t'encourages les copains là-haut. Tu te mets sous la tonnelle Kenny, tu peux y aller. Et en gros nous on est là et on bah comme on te voit on va essayer de tout donner. Hein. C'est vraiment là où. Eddie Buge. Roule avec toi Yann. Ouais. En fait, tu roules? Tu roules avec moi. Ah non, tu roulais quoi, 2,5 ou 4,50 ouais. Non, c'est pas avec moi, t'as un peu. Tu la gagnes changé. Non. Alors ça, je vais prendre ce soir. Bon bah voilà, petit tracolk, on a fait un petit peu le tour. Du coup, vu que c'est la première fois que j'y roule, ils m'ont donné quelques petits conseils. On va essayer d'appliquer tout ça, dont notamment les triples et tout, etc. On va faire doucement le premier tour, un peu moins le deuxième et le troisième, on va essayer de tout valider, parce qu'après au bout du quatrième tour, les essais sont terminés. Donc les belles pistes dans les bois et tout, c'est vrai que ça fait penser à Washugo. Là on se balade un peu dans le village moto, donc il y a multimarques, Honda, Yamaha, tout ça, je vais pas vous montrer tout ça. Mais par contre cette année ce n'est plus bière, c'est Morocco Up Design. Et je vais vous faire rentrer un petit peu dans le petit paddock qu'ils ont fait. Ah et là maintenant il y a la star, nouvelle recrute chez Up Design. Mais qu'est-ce que t'as branlé? Bah quand tu tombes en panne de gasoil avec le sprinter, bah t'es obligé de sortir à la 4,50 quoi. Et on est reparti, nef. Oh 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 oh. Oh le grillage. Oh Zachary. Bon là par contre, ça va très bien. C'est l'heure de. Comme chaque année, on vient au Kenny pour. Je pense que là on va aller boire un coup, on a mérité de aller boire un coup. Bon week-end qui s'annonce. Alors, c'est... Mais il y a quelque chose qui se prépare ici là. Ouh la belle bleue, merci. C'est bon ça. Alors là. Santé. Et pas des pieds. Eh oui. Santé. Oh. Putain, les mecs, ils sont vides. Ah, santé. Hop là, il y a qu'un jeu de vie. Santé, tu penses. Allez, on y va, tout le monde. Il y a personne. Regarde, dis-moi, là, c'est... 19h47. 19h47. Tout le monde fait les timides. On en reparle après. Caméra, on en reparle après. C'est 23h, les gars. C'est 23h. Allez, silence, pas les pouces. 23h, regarde. Allez, montre le cul sec. Tout le monde cul sec. J'aime pas le foot, mais c'est du rugby. Je tire mon test sur mon tracteur. Je vais péter le démarreur. Oh.
Bon, première soirée au Kenny. Je pensais que ça allait être plus soft, mais pas du tout. On a passé une putain de soirée. Bon, franchement, c'était vraiment de la balle. Je m'attendais pas à ce que ça tape direct comme ça dès le premier soir, tu vois. Du coup, là, on se réveille, on part pour les essais libres et on va découvrir la piste parce que moi, je la connais pas du tout. Donc, il s'agit de bien prendre ses marques, valider tous les sauts. Et en plus, les essais libres, c'est que 4 tours. Donc, franchement, ça va aller hyper vite. Moi, le matin, en général. C'est pour lui, ça. Ouais, voilà, moi c'est plutôt l'après-midi. Le SX ça démarre à 13h, ça va, tu vois, c'est mieux, tu vois. On était très bien. Et au final, tout le monde est plus chez nous et tout. Bon, petit débrief, les essais libres. J'ai pas pu montrer les essais libres parce qu'ils m'ont enlevé la GoPro sur la montonnière. Je pensais comme quoi je pouvais mettre la GoPro sur la montonnière et au final, pas du tout. Il m'a demandé de la retirer donc je l'ai donné à Nicolas Bombin et j'ai fait mes essais libres sans GoPro. Du coup, j'ai pas d'image. Du coup, vous avez directement les images de la course 1, la manche 1. Manche 1 compliquée, le terrain il est mais défoncé. Ça va pas se voir à l'image, j'en suis persuadé. Mais il y a des marches, j'ai jamais roulé sur un terrain aussi défoncé. Il y a des trous de partout, c'est cassant, ça glisse. En fait, ils ont hercé le début du sol et en dessous, c'est béton. Mais béton, du coup, ça glisse à mort. Et en fait, c'est que des marches. Bah, 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 bah. Et vu qu'il y a beaucoup de courses, bah, le terrain il est complètement déglingué. Par contre, pour le départ, trop content, je pars, je vois le flocage, mazé. En temps normal, j'aurais forcé, mais là, vu que bah, c'est un pote, je vais pas le bypass. Du coup, bah, j'ai mis un coup de frein arrière. En fait, j'ai calé comme un con, j'ai calé. Parce qu'il m'a refermé comme ça, j'ai mis un coup de frein arrière et j'ai calé. Et du coup, la moto, impossible de redémarrer. Petit délire sur la GoPro aussi, c'est que je roulais avec Benjamin Melot. Du coup, vu que j'avais foiré mon départ, je suis resté un peu derrière parce qu'il était avec la moto de Rallye Dakar. Et moi, je kifferais trop faire du rallye. Et du coup, bah, j'ai dit, oh le délire, tiens, on va voir. Wow, à un moment donné, il est parti un peu en couille et tout. J'ai dit, oh là, lui, à mon avis, quand il tombe, la moto, elle embarque tout sur son passage, vu la taille du bordel.
Et voilà, donc assez stylé, bon délire, sinon franchement c'est plutôt cool. Bon, on va voir là, manche 2, hein. Let's go. On va aller voir les Lascars si on les a perdus là. Bon bah c'est pas trop mal ça. Q. À base de saucisses, t'en auras une. J'en ai une. Ah merci. Ça sera celle-là la tienne. C'est que celle-là. Oh la juteuse, elle est belle. Et comment il va lui? Oh eh, oh eh, oh eh. Hein, c'est passé la manche. Au moins elle est passée hein. Il y en a un que vous avez vu qui m'a fait foirer mon départ parce que je suis trop gentil. Mais lui il a la belle vie. Il est parti nickel tout. Ouais. Bon comment ça a été, ça va? C'est dangereux hein. Ah bah tu vois je viens de le dire. C'est dangereux, bon on va pas prendre de risques. On a encore une soirée soir. Oui l'objectif c'est d'aller à la soirée déjà. Ouais. Parce que là je suis un peu carbo. Un des plus puissants trafiquants de drogue de la cité phocéenne. 100% qui régale. Ils m'ont proposé de rouler avec les lunettes. Du coup forcément bah, j'ai accepté. Et ils m'ont dit tu roules avec quoi comme tenue? J'ai dit tenue blanche. Du coup ils m'ont filé celles-là, elles sont juste magnifiques. Ils m'ont dit test et dis-moi ce que t'en penses. Je pense que la question elle est vite répondue mon ami. Bon du coup pour la petite course up, maillot up design les gars, dispo sur la boutique. T'es pas frais? Regardez-moi ça, avec les petites Take This White. Et les petites 100%, ça va biche. Trop stylé, du coup je vais prendre le départ avec Benjamin Melot. La moto du Dakar, du coup on va être côte-côte, on va voir c'est qui parle le mieux et quelle est la moto la plus puissante. En tout cas là je suis hyper bien parce que je suis au niveau de la cabane. Là on est bien. Et juste pour la petite info, là, tu choisis pas ta grille, il te donne un petit numéro, comme ça quand tu arrives là à l'arrache. Et après t'as les numéros de grille qui sont inscrits en dessous. Du coup là je suis à la place numéro 16. Allez let's go.
putain. Et ils l'ont fait. C'est moi qui étais à côté de toi. Oui, je sais, je t'ai vu, je t'ai reconnu. Délire. Premier virage. Là. Après, je démarre pas, je pars dernier. J'étais dégoûté. Tu m'as vu ou pas? Et où? Tu m'as vu? Bah, j'ai vu le départ. Mais t'as vu que j'ai calé là-bas? Ah non. Attends, j'ai vu que je suis bien parti. Bah oui. Bon, j'ai pas les mots là. Ça fait deux fois que je cale. Là, j'ai pas les mots. Qu'est-ce que t'en penses? Tu feras mieux à l'apéro ce soir. Hein. Ouais, bah j'espère. Hein. J'espère que je vais pas caler comme ça à l'apéro. Parce que... Non, mais en tout cas, par contre, c'est cool parce que c'est-à-dire que je pars bien. Mais je cale. Ça m'est jamais arrivé de caler comme ça en bout de ligne droite après faire un bon départ. Voilà, comme vous avez vu, du coup, j'étais en train de resserrer Robin Capel. Donc, je suis sorti fort de la grille de départ. Donc, ça, c'est de bonne augure. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé. Merci à Julien Schmitt pour le coup là, c'est lui qui m'a formé pour les départs les gars. Par contre mon côté novice me rattrape, je cale comme un gitan. Je suis trop déçu parce que genre je pourrais partir, j'aurais pu partir genre avec Robin qui me tire un peu, j'aurais pas roulé avec lui, j'aurais pas tenu le rythme, mais au moins tu sais, je me serais fait aspirer. Là je pars bon dernier comme vous l'avez vu, je galère, en plus elle redémarre pas et je galère à démarrer, je pars bon dernier. Et après bah t'es dans le trafic quoi. Puis bah après tu uses de l'énergie, j'ai pas assez d'expérience pour vraiment remonter comme il se doit. Donc voilà. Mais sinon aux courses up c'était hyper marrant, on avait tous les maillots up design. Et Benjamin Melo, je t'ai déposé avec ta moto du Dakar. Ah là là, si tu regardes ça, je pense que tu vas rigoler. Mais ouais parce qu'on s'est dit au départ, alors. Qui va gratter qui? La moto du Dakar va-t-elle cramer la motocross? Eh ben non! Mais regardez, parce que moi aussi j'ai des petites histoires à raconter, mais d'autres ils ont des vraies péripéties carrément. Je vais vous montrer l'état des brels. Tout neuf ça! T'as fait un wheeling? Eh ça tu peux le remettre hein! Ouais mais ça va bien tenir. Ça va tenir? Moi je suis adepte de ça, à chaque fois je les pète. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien parti. J'étais 3, je remontais sur le deuxième. Et devant il y avait Eddy est un touchable. Vous pouvez faire deux et... C'est quoi ? Ça, on va en coller partout. C'est très important, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très, très important. Je lui mets là. Sachant que c'est de la qualité workshop, donc il est pas prêt de l'enlever. Il est pas prêt de l'enlever. Et, de toute façon, s'il l'enlève, il arrache la peinture. Clairement, il arrache la peinture. Il est bien, là. Vous abonnez, les gars. C'est la musique ? T'as vu, il a roulé dans la série... Ah ouais ? YouTube tout, faut suivre. Ah putain, je savais. Du coup, ça. Tu vas être dans le vlog, voilà. Voilà, un voilà. Petit mot. Ah ben écoute, hier vous avez fait une soirée de malade. Elle était top, hein. Top, une soirée. Et ce soir, ce soir, ce soir, je suis là avec vous. Hein. C'est le grand soir. Je vous le dis, c'est bon. C'est avec mon ami Yann là. Allez, c'est parti. Un petit mot, Yann. Ah ben on sera là. Eh ben j'espère. J'espère. Allez les gars. Eh ben à toutes. À tout à l'heure. Là, il est pas mal. Ça biche de l'an 2000. Ouais, le caméscope de Tati Jeannette. Avec ça, les gars, regarde, tu fais 10 000 vues avec ça. Tu fais 10 000 vues. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que la qualité. Tu sens la jalousie ou pas? Tu sens la jalousie ou pas? Regarde, c'est ça que c'est bon. Voilà, sur la moto du boss. Et, il va aller au Dakar celui-là. Si lui il va au Dakar, je veux aussi ma vie. Toi, tu vas au Dakar toi? Moi? Ouais, oui. C'est un projet secret ça. Mais dans quelques années, on ira au Dakar. Hey, tu rigoles, ça se trouve, je vais sortir cette vidéo et ça se trouve. J'espère, hein. On en reparlera. C'est bien, joli quand même, non? Tu bosses aussi, toi? Moi, je vous présente Jérôme. C'est le boss de Up Design Morocco, voilà, c'est le petit pépite. Un petit mot? Salut, jeunesse. Salut. Wesh, gros. Ouais, ça, le petit débardeur, ça biche. En plus, ça donne un aspect, tu vois, un peu. Greek, hein. Très carré. Yeah, yeah. Ouais, tu vois, c'est carré. Can you speak English? Yeah, yeah, I'm speaking English very well. Yeah. I am very happy this year. I was from California. Yeah. You know Corona? Yeah. Okay. So you are American basically? Yes. Yeah, okay. Mais là je parle français, je fais l'effort de parler français. Ah, arrivé hier, j'ai appris. You are fluent. C'est ça. Nice. C'est ça. La langue française. Qu'est-ce que tu vois? C'est du sirop. Ah, le chef. Il surveille. C'est la médecine chinoise. Ah, ça fait du bien. C'est la médecine chinoise et ça permet de... Ça libère les avant-bras. Ah, ouais, c'est vrai. Et demain, il va partir devant. All shot. Je vais arrêter de caler au premier.
les virages. Non, parce que nous, on up, on n'est pas seulement dans l'accessoire, mais aussi dans l'approche mentale. Il meurt. Chine et les Chinois. Prennent soin de nous. Tout ce qui est chez UpDesign, on prend soin de nous. Tout ce qui est bien-être. Voilà. Donc, pas hésiter à acheter du UpDesign. Il se déplace, il vient vous voir à chaque commande. À chaque commande, il vient, il vous caresse l'oreille. Donc demain on le shot, c'est ça? Demain on le shot, bah... Et sans caler? En fait, ouais, sans caler, ouais. Bon, nouvelle tenue UpDesign aussi. Tu l'as? Elle est là. Ouais, mais tu l'as, toi? Il y a ça. Moi non, parce que je roule pour O'Neill. C'est la plus belle, pour moi. Oh, bah tiens. Ça, je connais, hein. Ça, c'est une belle bécane. Ça, c'est la moto de qui, ça? C'est la moto de Monsieur Mazé. C'est la moto de Monsieur Mazé. Tu vas faire quoi, là? Je vais essayer de coller mon Insta sur la moto de Tortelli. Ah, mais ils les ont tous switchés. Voilà. Deuxième round. Tu prends la mienne, j'avais pas. C'est fou, elle a un petit ab, celle-là. Elle a 500 chevaux. Je sais pas où je vais là. Pas évident là. Là il est midi 10. J'ai raté les essais libres à 9h. Là c'est dur. Là. C'est 13h25. Ça va toi? Merveille. Hein? Ah merveille. Il y a pas mieux. Hein. Il a une bête d'idée. Ah, là, je sais pas. Ouais. Vas-y, t'as pu expliquer. Bon, vu qu'on est un peu pas très très motivé pour rouler. Ouais, que je. Alors, en fait, moi j'ai dû choper un coup de froid là, j'ai mal à la torche. Ouais. Et j'ai les yeux qui brûlent, je sais pas pourquoi. Du coup, on propose de se faire un départ entre nous, donc la grille a tombé. Voilà. Et à partir du moment là, on va compter 5 secondes dans nos têtes, ça verra qui de nous deux va faire le shot. Moi je le fais. N'en triche pas. Je le fais. 5 secondes. Et je le fais. Hein. Putain, si je te vois partir. T'imagines. T'as vu comment je gicle? Je lâche mon embrayage, je te coupe en deux là-bas. All right.
Les gars, c'est la fin de mon tout premier Kenny Festival. Franchement, je repars avec des souvenirs plein la tête. Je tiens à remercier toute l'équipe d'UpDesign Morocco qui m'a invité à cet événement et qui m'a permis de vivre cette superbe expérience. Maintenant les gars, lâchez un maximum de pouces bleus, lâchez des petits commentaires et abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo les gars. Ciao !